Trois bonnes raisons d'aller voir l'exposition Valerio Adami, l'exposition Transfiguration. Question compliquée parce que je connais au moins 75 bonnes raisons. 75 raisons, bonnes raisons parce qu'il existe présenté 75 œuvres, des tableaux, des dessins, des photographies qui témoignent tous de la même chose, que Valerio Adami est un immense artiste. Alors la première, la vraie raison de venir à cette exposition, c'est de rencontrer un très grand artiste. Autre raison à brûle pour point, c'est qu'aussi c'est un homme charmant. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte de composer cette exposition avec une photo, une grande photo qui nous accueille, et deux panneaux de latéraux qui sont comme des bras ouverts, car voilà ce que représente pour moi aussi, commissaire d'exposition, Valerio Adami, non seulement un très grand artiste, mais aussi un artiste qu'on est toujours heureux de rencontrer pour l'entendre parler de l'art, pour l'entendre parler de la peinture. Alors il faut savoir que parmi peut-être la troisième raison, c'est qu'il existe aussi, outre des œuvres, un film, que ce film résume à la fois sa vie et son œuvre, et que dans les deux cas, on rencontre des choses passionnantes, parce que la vie de Valerio Adami, qui est une vie de peintre au milieu des autres grands peintres du XXe siècle, est une vie passionnante. Et puis, évidemment, ce film parle de ses œuvres, parce que ce qui fait la vérité d'un peintre, ce n'est pas uniquement son langage, mais évidemment ce qu'il laisse, ce qu'il accroche sur nos murs, ce qu'il accroche dans cette grande chapelle Saint-Sauveur, c'est-à-dire, je le répète, 75 chefs-d'œuvre.